Chers amis, je vous invite à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, merci encore une fois de plus pour ta parole que nous avons la chance d'étudier en profondeur sous la direction de ton Esprit Saint. Oui, Père, assiste-nous par ton Esprit Saint et continue de nous éclairer et de nous encourager à persévérer dans l'étude de ta parole. Merci. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je vous souhaite à nouveau la bienvenue, car nous arrivons à la fin de notre semaine de réflexion et nous aurons une dernière étude à faire par la grâce de Dieu. Merci à vous d'être là. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et que sa paix repose sur chacun d'entre vous. Nous allons commencer notre réflexion lisant dans le livre 13 des siècles, page 48-49. Il est dit dans tous les temps, le même esprit de haine et d'opposition à la vérité a inspiré les ennemis de Dieu. Et le même esprit de vigilance et de fidélité a été nécessaire à ses serviteurs. Jusqu'à la fin, ces paroles de Jésus à ses premiers disciples seront opportunes. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Fin de citation. Dans de nombreuses régions du monde, en particulier là où les gens ont un accès libre à la Bible, Satan utilise d'autres moyens pour affaiblir son influence. Et l'un des moyens les plus efficaces a été la recherche scientifique, voire biblique, qui adopte parfois des positions qui, si elles étaient acceptées, affaibliraient la confiance dans la parole de Dieu. Par exemple, bien que le livre de Daniel soit daté de plus de 500 ans avant Jésus-Christ, de nombreux spécialistes de la Bible le situent plutôt au milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Ils soutiennent qu'il a dû être écrit à cette époque. Sinon, le prophète n'aurait pas pu annoncer l'avenir avec tant de précision. Par conséquent, selon eux, Daniel n'avait pas été écrit à la date indiquée, mais plutôt des centaines d'années plus tard. Voilà, deux versions, deux propositions. Qui croit, qui a raison Si là, où nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Chers amis, il nous a dit que malheureusement, ce mensonge sur la Bible est l'un des nombreux mensonges que l'érudition moderne cherche à nous imposer et de nombreuses personnes acceptent cette erreur parce que, après tout, les spécialistes de la Bible l'enseigne. Il n'est pas étonnant que Paul nous avertisse, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alléluia. Mais il est impossible d'examiner toutes choses sans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, passe au moment du question du vendredi. Référez-vous à la citation de la leçon de mardi, puis pensez à ce qui suit. Comment Satan utilise-t-il aujourd'hui des méthodes similaires pour minimiser subtilement l'autorité des Écritures Quelles sont nos plus grandes protections contre une mauvaise interprétation de la parole de Dieu La principale tentative de Satan dans le grand conflit entre le bien et le mal est de dénigrer le caractère de Dieu et de le lui présenter comme un tyran autoritaire et dépourvu d'amour. Comment le malin tente-t-il de faire cela et quelle est la réponse de Dieu à ces mensonges? L'apôtre Pierre affirme qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. De Pierre 1, verset 20. Alors, comment pouvons-nous être rassurés que nous ne déformons pas le sens de l'écriture pour atteindre nos propres objectifs personnels ou religieux? Pourquoi cette pratique peut-elle être plus facile à mettre en œuvre? Que nous le pensions et pourquoi devons-nous nous en prémunir d'ailleurs comment s'en prémunir à cette série de questions ô combien importantes je supplie le seigneur de vous accompagner par son esprit saint dans votre réflexion soit personnelle en couple en famille en groupe ou à l'église chers amis en résumé de la leçon de cette semaine dans divers contextes sociaux tels que la vie familiale et la politique le compromis est considéré comme acceptable et même souhaitable dans de nombreux contextes. En général, le mot compromis désigne la conclusion d'un accord, d'un règlement par concession mutuelle, un terrain d'entente entre les positions de deux ou plusieurs parties. La clé d'un tel accord réside dans la concession. Chaque partie doit céder quelque chose pour que les deux ou toutes les parties puissent continuer à coexister ou à vivre ensemble. Dans certains cas, chaque partie fait des compromis parce qu'aucune n'a la force de convaincre ou de surmonter et de contrôler l'autre partie par la force. Dans d'autres cas, les parties font des compromis simplement parce qu'elles veulent vivre ensemble pacifiquement en tant que voisins ou en famille dans l'amour ou le respect mutuel. Mais en général, chers amis, le compromis est perçu comme un phénomène négatif impliquant la perte d'une valeur quelconque, d'un principe quelconque, d'une vérité ou d'une qualité essentielle. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose à perdre. Un compromis dans la médecine, le système immunitaire, L'identité nationale, l'éducation, la moralité, la réputation, la révolte ou la position militaire sont tous des compromis indésirables et inacceptables, car ils menacent notre mode de vie et notre existence tout simplement. Alors qu'en est-il de Dieu, chers amis Ne pouvait-il pas faire des compromis avec les anges rebelles ou avec les êtres déchus pour éviter la guerre dans le ciel et permettre tous de coexister pacifiquement Dieu, ne pouvait-il pas au moins tolérer la partie adverse Si la partie adverse voulait l'indépendance ou l'autonomie, Dieu, ne pouvait-il pas accorder cette demande Ne pouvait-il pas simplement donner aux rebelles une région quelque part dans un coin de l'univers où ils pouvaient vivre seuls au lieu d'être exterminés Oh là là, que des questions, n'est-ce pas Importantes. Chers amis, laissez-moi poursuivre cette série de questions avec vous, mais de manière plus personnelle. À quels critères votre culture fait-elle appel pour déterminer ce qu'est la vérité Quelles sont les sources de vérité dans votre société, votre religion ou votre culture De quelle manière, le cas échéant, votre société ou votre culture considère-t-elle la Bible comme la source de vérité sur l'origine, le sens, la direction et le destin de notre monde. Comment pouvez-vous partager votre compréhension adventiste des Écritures en tant que première source fiable de vérité Comment cette compréhension des Écritures nous aide-t-elle à acquérir la bonne vision du monde et le bon chemin vers le salut Examinez votre vie. Pensez-vous qu'il y a des domaines dans votre vie qui sont le résultat de la compromission de la vérité de Dieu Si oui, quels sont-ils que pensez-vous faire pour rectifier cette situation au nom de Jésus Oh, chers amis, à cette série de questions combien importantes et capitales, que le Saint-Esprit vous accompagne dans votre réflexion au nom de Jésus. Chers amis, la Bible dépeint le grand conflit en termes de conflit entre deux forces radicalement opposées, telles que la lumière contre les ténèbres ou la vérité contre le mensonge. Certes, le côté du mal veut faire un compromis avec la vérité, car un tel compromis est la seule chance de survie du mal. Le côté du mal cherche aussi à assurer sa survie à tout prix afin de pouvoir détruire ce qui est bon ou de Dieu. C'est pourquoi le diable est continuellement à l'œuvre pour attirer l'Église dans le compromis. Malheureusement, l'Église aujourd'hui, quel que soit son nom, est tombée dans un compromis tout comme les premiers parents de l'humanité. Les effets de ces compromis sont visibles et ressentis encore aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la faiblesse de l'Église et des enfants de Dieu. Oh mes amis, compromettre la vérité équivaut à la trahison de Dieu et à la destruction de la vérité elle-même. En fin de compte, un tel compromis revient à se ranger du côté de l'ennemi de Dieu, Satan. En conclusion, Dieu est la source de la vérité et de la lumière. Il ne fera jamais de compromis. La confiance en Dieu et la fidélité à la vérité telle que révélée en Jésus-Christ par les Écritures protégeront l'Église des compromis et nous empêcheront de devenir la proie du diable. Mes amis, la seule façon pour l'Église de sortir victorieuse du grand conflit est de rester fidèle à la révélation divine en Jésus-Christ et à la sainte parole de Dieu. Amen, amen, alléluia. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, tu nous invites personnellement, aussi en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'église, en tant que dirigeant d'église, tu nous invites à faire un examen dans notre relation avec toi, dans notre fonctionnement, notre manière de faire les choses, et de chercher à savoir si réellement nous ne sommes pas en train de faire des compromis avec l'auteur du mal pour satisfaire nos besoins personnels ou mettre en avant notre religion. Ô oh Père éternel, cette leçon nous invite réellement à rentrer plus profond de nous-mêmes et de réfléchir sérieusement car le temps est venu et nous voyons la faiblesse de ton église, la faiblesse de tes enfants et voilà pourquoi tu nous invites à une remise en question Père éternel. Donne-nous Suffisamment. Et là, ce Père Éternel, je t'en supplie vraiment. Nous connaissons l'orgueil des humains, mais je t'en supplie, Père Éternel, donne-nous l'intelligence et surtout la sagesse pour comprendre qu'il est temps de se remettre en question et de pouvoir avoir cette proximité avec ton Esprit Saint pour que ton Esprit Saint nous révèle la vérité, ce qui est caché. Et pour qu'enfin nous puissions être réellement sous son influence, sa domination, afin qu'il nous révèle ta vérité et que ton esprit nous ramène sur le chemin de la vérité et que nous puissions vivre cette vérité en Jésus. Cette semaine, tu nous parles profondément, sérieusement, avec ton cœur, parce que tu nous aimes. Là encore, je t'en supplie, aide-nous à prendre conscience de cela et fais en sorte que cette leçon nous sert réellement à avancer dans la vie et à te plaire en toutes choses. Bénis-nous, Père éternel, bénis tous ceux qui ont entendu ta parole, et viens, viens faire ton œuvre en nous, viens poursuivre ton œuvre en nous, viens achever ton œuvre en nous. Je t'en supplie, et je te remercie, je te bénis même, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen, amen.